Bonjour à tous, bienvenue sur le stand France Architecture. Je suis David Habitant, je m'occupe du média Théma.archi et de plus largement pardon, de médiation dans les domaines de l'architecture et du patrimoine. C'est ce qui m'amène aujourd'hui et avec grand plaisir à animer ce temps de discussion. Le troisième parmi les nombreux qui prennent place sur le stand France Architecture ici à Cannes à l'occasion du MIPIM. Au passage sur ces différents temps de discussion, on va avoir durant les prochains jours Une réflexion sur la chaîne de production et la qualité architecturale du logement. Également un échange autour de l'architecture et du sport. Mais aujourd'hui et pendant environ une heure, on va s'intéresser à la transition énergétique dans le domaine de l'architecture et à la question de la réhabilitation des bâtiments du XXe siècle comme un levier face à la crise environnementale. À ce sujet, avant de commencer notre échange, je précise que le lancement du palmarès d'architecture Réhab 20e aura lieu tout à l'heure à 17h45 en salle Agora, ici au Palais des Festivals. Et maintenant que ceci est dit, écoutez, on va pouvoir y aller. Je vous présente nos intervenants, en commençant par Wilfried Jobert, tout au bout. Wilfried Jobert, directeur du CAE du VAR. Maud Cobé, de l'agence Maud Cobé Architecte. Patrick Rubin, pour continuer l'ordre, de Canal Architecture. Et Caroline Poulain, de l'AUC. On va discuter tous ensemble donc des questions que je vous évoquais tout à l'heure. Mais alors, pour commencer, une petite présentation assez brève, histoire de pouvoir, au-delà du visage qu'on met sur votre nom, y associer aussi quelques bâtiments. Maud Cobé Architecte en trois bâtiments, ça donne dans des programmes et des échelles distinctes le projet Origine qui accueille le siège social de Technip, 70 000 m² de bureaux, c'est à Nanterre, juste à côté de Paris. Encore en chantier, un ensemble de logements à Bordeaux pour Covivio, mais aussi à une autre échelle, une petite maison dans les Landes. Et un quatrième bâtiment dont on aura l'occasion, je pense, de reparler un petit peu plus tard dans nos échanges, au cœur de notre thématique, puisque c'est l'ancien siège de l'Office national des forêts que vous réhabilitez en bureau. Le chantier doit bientôt arriver à son terme, si je ne dis pas de bêtises. Maud Cobé, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le projet? Comme ça, on pourra tout à l'heure en reparler, mais en brièvement les deux, trois points de cette réhabilitation. Merci David, bonjour à tous, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup d'architectes dans la salle. Oui. On en reconnaît quelques-uns, oui. Quelques-uns, oui, exactement. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous pour vous présenter un peu la démarche de l'agence et puis pour parler un petit peu d'un avenir. On va essayer d'être un peu positif pour faire avancer les choses. Donc ce projet est dans le 12e arrondissement, pour ceux qui connaissent un petit peu le quartier du 12e, c'est l'ancien siège de l'Office national des forêts qui a déménagé récemment. C'est un bâtiment assez extraordinaire qu'on a eu la chance de restructurer depuis maintenant 3 ans à l'agence. On a eu gain de cause sur la mission de conception et de suivi architectural et de suivi de chantier. Donc je suis très heureuse de suivre au quotidien ce chantier avec les équipes. C'est un projet assez sympathique dans la mesure où il porte l'ambition de comment on peut réinvestir et donner une seconde vie à un bâtiment patrimonial des années 70. Bâtiment qu'on a envie de préserver, c'est cette histoire de lieu avec cette façade tramée qu'on adore, très vintage, qui revient à la mode. Et en même temps, la nécessité de pouvoir réinvestir les sous-sols, les parkings, donc ramener de la valeur ajoutée au niveau des sous-sols pour créer du premier jour. Et enfin, et pour finir la présentation rapide, l'ambition de redonner un nouveau signal urbain avec cette toiture végétalisée coiffée par une serre qui est ventilée naturellement, qui n'est pas chauffée, qui n'est pas refroidie et qui aura pour vocation de faire de l'agriculture pédagogique en milieu urbain. Et alors, quand est-ce qu'on pourra aller le visiter, ce bâtiment? Alors, on va ouvrir des séances de visite de chantier. Puisque la structure en bois que vous voyez à travers cette perspective va être montée par l'entreprise dans un mois. Donc j'ai hâte de voir la grue arriver avec la mise en place de cette serre. Et donc, pour finir, oui, donc juin, juillet, chantier ouvert à ceux qui le souhaitent et la livraison à la Noël. Génial pour Noël.
on ira avec plaisir visiter. Voilà, exactement, on l'espère. Bon, allez, au pire l'an prochain. On continue dans notre tour de table. Caroline Poulain, là encore, je vous présente en trois bâtiments. Je précise que vous avez cofondé en 1996 l'AUC avec Jamel Clouch et François de Coster. Vous êtes d'ailleurs avec l'AUC lauréat en 2021 du Grand Prix de l'urbanisme. Un grand bravo à vous. Trois bâtiments, c'est plutôt trois projets. On va commencer en remontant quelques années en arrière. C'était la consultation internationale sur le Grand Paris en 2008. Et face à Jean Nouvel, face à Loma, face à Richard Rogers et bien d'autres, vous étiez la plus jeune équipe. Un petit peu plus proche de nous, et dans le temps notamment, nous sommes à Lille-Fives, une ancienne usine de métallurgie qui abrite désormais tout un quartier dont vous avez la charge de la maîtrise d'œuvre urbaine et de la maîtrise d'œuvre des espaces publics. Et puis, en regardant vers le futur, il y a aussi, pour dans quelques années, l'extension des archives nationales de Pierre Fitz a été annoncée il y a quelques mois seulement. Et un quatrième bâtiment directement lié à notre discussion et que je vous invite à présenter. Je ne parle pas du pavillon de l'Arsenal, je parle de la maquette présentée au pavillon de l'Arsenal. Il s'agit de la Tour des Poissonniers, la nouvelle Tour des Poissonniers. Oui, bonjour à toutes et tous. Juste une petite précision, Lille... on a travaillé pendant 15 ans sur ce projet, mais actuellement, ce n'est plus nous qui sommes en charge du dossier. Si jamais... Précision faite est nécessaire et je vous en remercie. En ce qui concerne la Tour des Poissonniers, donc oui, c'est un projet qu'on a gagné à l'occasion d'un dialogue compétitif, notre maîtrise d'ouvrage est Paris Habitat. Et c'est un bâtiment qui est à l'entrée de Paris, à côté de la Porte de la Chapelle, Porte des Poissonniers exactement, qui a été palulosé, on pourrait dire, donc dans les années 80. Donc c'est un bâtiment qui est assez reconnaissable maintenant parce qu'il est tout rose et bleu et qui a LG, Life is Good, en haut du bâtiment. Donc c'est une tour que tout le monde peut peut-être repérer dans le nord de Paris, pour les Parisiens en tout cas. Et c'est le même bâtiment, parce qu'il y a eu toute une série de bâtiments qui ont été conçus par Raymond Lopez à la fin des années 60 dans tout ce nord parisien. Et c'est la même tour que celle qui est très connue, qui a été transformée par Anna Caton et Jean-Philippe Vassal, la fameuse tour Bois-le-Prêtre, donc que tout le monde connaît, qui appartenait aussi à Paris Habitat. Et qui a maintenant, qui fait à peu près ses 10 ans de transformation. Et là, nous, on va travailler sur un bâtiment, on va dire, similaire, même s'il a une trame en moins. Un bâtiment qui joue de demi-niveau, même si aujourd'hui, la dernière réhabilitation a un peu effacé ses qualités de façade. Et on la transforme en résidence étudiante avec un pied qui va accueillir un équipement des arts vivants pour les étudiants de la Sorbonne. J'y pense par rapport à votre présentation. Est-ce qu'il y a eu une espèce de jurisprudence Bois-le-Prêtre qui a amené au moment d'un questionnement sur le futur de cette tour à se dire, bon, avec l'exemple Bois-le-Prêtre et tout ce dont on a pu en parler, on ne peut pas se permettre de la démolir. Celle-là, évidemment, on va la réhabiliter. Alors, ça, c'est pas de notre fait, mais tant mieux. Mais c'est le choix de Paris Habitat qui a défendu auprès de l'ANRU l'enjeu de garder ce bâtiment. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce bâtiment, on ne pourrait plus le construire. À Paris, le PLU ne permettrait pas forcément de construire cette hauteur à cet endroit-là. Donc, c'est l'initiative de Paris Habitat de vouloir poursuivre, conserver ce bâtiment et faire un projet très ambitieux comme a pu l'être Bois-le-Prêtre à l'époque. Cette nouvelle Tour des Poissonniers, hein, comme la réhabilitation du siège de l'ONF qui feront partie de notre corpus de bâtiments dont on va pouvoir discuter tous ensemble. On continue avec vous, Patrick Rubin, architecte de Canal Architecture, dont la production architecturale est... J'écris littéraire, en tout cas, il y a une grande œuvre autour de vos bâtiments, autour de la question de la transformation des bâtiments construits et de la réversibilité des constructions neuves. Vous allez nous en dire peut-être un mot dans un instant. Si je devais présenter l'agence en trois bâtiments, on a l'ancien siège de Libération, un ancien parking, si je ne dis pas de bêtises, donc on est tout à fait dans le sujet. Également, l'école du paysage de Blois. Je suis en train de refaire ma culture architecturale. C'était une usine...
Les chocolats poulains, chocolat bien poulain. Sûr. Mais voilà, les chocolats poulains à Blois, évidemment. Et puis la médiathèque de Brest. Et là, je ne sais pas du tout quelle était l'occupation initiale du bâtiment. Le labeur des chaudronniers métalliers qui fabriquaient des bateaux de guerre. Et ben, on va pouvoir en parler également de ces trois bâtiments. Rentrons-les dans notre corpus. Mais peut-être un mot avant, et ça permettra par la même occasion de représenter l'agence, ces trois ouvrages édités par Canal Architecture, Construire, Transformation et Zone, si vous voulez nous en dire un mot, Patrick Rubin. C'est de la recherche, mais qui est pas de la recherche de... Ce ne sont pas des thèses. Hein. Ce sont des réflexions que monte un atelier d'architecture. C'est des questions qu'on se pose tous les matins, tous les soirs aussi, sur quand on nous dit de construire, quand on nous dit de transformer, et quand on évoque, il va sortir dans 2 mois celui-ci, les zones d'activité. Ce sont 3 sujets qui rapprochent tous les architectes. Ils les rapprochent tellement que des architectes participent à cette écriture, mais pas seulement des architectes, des avocats, des notaires, des aménageurs, pour essayer de réfléchir à la vie. En fait, c'est une synthèse de ce qu'on se dit ici quand on se rencontre et on boit un café. Hein. C'est dire, tu as ce projet, tu t'es inscrit, mais comment et pourquoi on te demande de transformer, mais on te demande de faire du logement, mais le logement aujourd'hui, c'est plus possible avec certains promoteurs. C'est-à-dire, donc tout ceci, ce sont des recueils où il y a aujourd'hui 150 personnes qui sont passées par ces bouquins. Alors, c'est accessible, c'est sur le site de Canal, c'est évidemment free, les étudiants peuvent l'imprimer, enfin tout ça c'est de l'utilité publique. Ouais. Voilà, donc ça c'est la partie édition, mais on n'est pas les seuls, hein. Les architectes ils font sur des concours et puis à un moment ils se disent mais pourquoi on me demande de faire une chambre d'étudiants à 18 mètres carrés, et là ils remontent. Et c'est bien pour ça qu'il faut qu'on aille voir des fiscalistes pour qu'on nous explique que le logement étudiant, en fait, c'est de la défisque, c'est pas du logement, etc. Donc c'est intéressant de savoir pourquoi on fait les choses. Donc on essaie d'en parler. Et pour revenir sur le sujet en lui-même, et notamment sur les 2 premiers, construire et transformer. Ah oui, alors les sujets. Alors, réversible, c'est une question qu'on s'est posée depuis très très longtemps. Encore une fois, je suis sûr que vous la posez tous, on se la pose. C'est comment est-il possible qu'on continue à affecter des bâtiments à des fonctions, c'est-à-dire qu'on est en silo là, et qu'on les casse pour reconstruire la fonction. Hein. Le plus classique, c'est les bureaux ne fonctionnent plus sur ce site, donc on les casse, on va faire du logement. Et ce qu'on suppose, d'ailleurs on va le prouver, on aurait dû signer aujourd'hui, le permis de construire de l'immeuble à Bordeaux, réversible, TBO, enfin, pas signé le permis de construire, il est signé. C'est qu'il nous manque encore la réponse des pompiers. Mais à Bordeaux, à côté de la gare, sur la ZAC Jean-Belsier, on construit le premier immeuble qui n'aura pas d'affectation. C'est-à-dire qu'il est ou bureau, il est bureau et ou logement. Ce qui veut dire qu'à tout moment, on peut changer les affectations sans présenter de permis de construire modificatif. Bon, tout ceci, ce n'est pas une prouesse de notre part. C'est la loi Elan, c'est le permis d'innover, c'est 4 ans de travail. J'espère qu'on en reparlera au prochain CIMI ou MIPIM pour dire que ça y est, le chantier est commencé. Je me demande si je n'ai pas une image, mais j'ai un petit souci de télécommande. Oui, il y en a. Bon, peut-être que ça viendra plus tard, sinon. Je pense que c'est le bien commun. Pourquoi faire un bâtiment réversible? Pour ne pas le casser. Ce qu'il faut surtout retenir de ce que tente de faire ce stand, c'est qu'on parle de ne plus démolir. Donc on peut toujours dire, ok, on ne démolit plus. Le politique le dit de plus en plus fort. Mais on ne nous dit pas comment il faut faire. Eh bien voilà. On s'arrête là, sinon vous allez empiéter sur le sujet. À l'heure des présentations, c'est absolument parfait. On peut parler d'un teasing, Patrick Rubin, et je n'en attendais pas moins de votre part. Merci beaucoup. On continue les tours de présentation avec vous, Wilfried Jobert. Je disais, vous êtes au-delà de nos 3 architectes. Nous avons également un directeur de CAUE. Les CAUE, donc un autre type d'acteur de l'architecture en France, présent dans presque tous les départements. Que vous représentez aujourd'hui à travers le CAUE du Var, parmi vos missions, pardon, le conseil, la formation, la sensibilisation. Je crois qu'il y avait 3 images, le conseil, la formation et la sensibilisation.
Une première question pour, là encore, on connaît plus ou moins les CAIE, si vous voulez nous aider à préciser la définition. À destination de qui ce conseil, cette formation, cette sensibilisation? Alors, la particularité des CAIE, c'est qu'on a un public qui est extrêmement large, puisqu'on travaille avec les enfants, comme on peut le voir sur cette image-là, et ensuite, on apporte des conseils auprès des collectivités, bien évidemment, mais aussi des particuliers. Donc, cette question du déjà-là, on l'aborde avec chacun de ces acteurs, et depuis très longtemps, les CAIE, sur les territoires, sur l'ensemble des territoires, travaillent dans cette direction-là, et surtout avec les plus petites communes, les communes rurales qui n'ont pas d'ingénierie quelque part, et on les aide à réfléchir. On est vraiment en amont de ces projets-là et on est souvent amené justement auprès des collectivités à avoir ce discours du déjà-là et de comment on fait. On n'a pas forcément des architectures qui sont majestueuses comme on a pu en voir. On a des architectures du quotidien, mais qui datent aussi du XXe. Et tout notre travail est d'éduquer au regard, d'amener chacun à se poser la question de la richesse de ce qui existe déjà avant d'aller dans la transformation. Et alors, je pense que ça va plutôt bien accompagner nos discussions, effectivement, votre lien aussi avec les acteurs de la ville et notamment les élus. Je pense que c'est beaucoup de ça dont on va parler avec vous dans l'heure qui s'annonce. Mais alors, peut-être juste un mot, parce que je me demandais de quelle manière, là, on a une photo d'une exposition que vous avez fait sur les déchets de chantier. Je voulais voir avec vous de quelle manière on peut répondre aussi aux problématiques de la crise environnementale à travers des actions de sensibilisation au grand public. Est-ce que ça participe, selon vous, à l'objet d'une certaine manière de notre table ronde? Pour nous, c'est une évidence que l'adresse au grand public est prioritaire pour pouvoir faire remonter les projets auprès des collectivités. Même si c'est les collectivités qui sont ensuite maîtres d'ouvrage, on voit bien aujourd'hui que l'implication du particulier, de l'habitant, est très importante dans la réalisation de projets vertueux. Et c'est vrai que beaucoup de CAIE s'engagent dans la sensibilisation à travers des portes d'accès différentes, hein, puisque là, on voit, c'est une exposition, c'est la prochaine exposition qui aura lieu en septembre dans le Var, qui est une exposition qui est faite dans l'espace public autour des déchets de la construction. Donc pour nous, c'est pendant 4 mois l'occasion de faire tout un programme autour de tables rondes, de visites de chantier, de rencontres avec des professionnels pour effectivement expliquer comment aujourd'hui on fabrique le territoire à partir de ce qui existe et à partir aussi de ce qu'on déconstruit et qui peut être une ressource de faire. Et c'est vrai que là, après, on se retourne vers les professionnels qui ont toute cette intelligence et cette créativité qui va nous permettre d'aller vers des projets qui répondent aux enjeux qui sont les nôtres à l'heure actuelle. Donc pour nous, la sensibilisation, puisqu'on se dit que pour qu'un conseil soit entendu, il faut que l'oreille soit sensible à ce qui est dit. Et le rôle du CAIE en tant que conseil n'a pas du tout un conseil coercitif. On est là pour amener chacun à cette réflexion-là et à cet objectif-là. Donc la sensibilisation, et en passant par l'art, à travers la photo, mais d'autres pratiques comme l'écriture, etc., nous permet de toucher au sens des choses et au sensible. Donc pour nous, la sensibilisation est un acte fort pour aider le métier de l'architecture et la fabrique du territoire. Voilà pour les présentations. Merci à tous les quatre. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, mais tranquillement, pour commencer, on va poser quelques bases à notre discussion, notamment sur ce lien entre réhabilitation et transition écologique. Il paraît assez évident. Il est en tout cas là mis en avant dans le titre et ça n'a pas choqué grand monde, évidemment. Mais j'aimerais bien qu'on l'interroge tout de même. Est-ce que, alors j'ouvre un petit peu la question et on va voir comment vous y répondez, mais est-ce que cet avantage écologique de la réhabilitation est absolument incontestable, ou alors est-ce que parfois, aujourd'hui encore, on peut tout de même préférer une démolition-reconstruction dans un cas particulier? On entend des architectes, vous citiez tout à l'heure Caroline Lacaton et Vassal, qui ont une position très claire sur le sujet. Il ne faut jamais démolir. Je voulais ouvrir la parole à notre assemblée et vous demander quelle était votre position sur le sujet. Peut-être Caroline Poulain, si vous voulez commencer. Disons que nous, on a toujours eu une démarche à l'agence comme on vient
surtout depuis, entre guillemets, un regard plutôt sur la ville et sur la métropole. Donc nous, on a toujours été habitués à la transformation lente des choses et surtout, on a toujours été très attentifs au déjà-là. Donc c'est vrai qu'on a toujours adopté plutôt une posture attentive aux choses. Après, je n'ai pas de position dogmatique. Eh ben alors, peut-être on peut ouvrir et vous écouter. Je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, le dogme, c'est ce qui nous tue au quotidien. Donc, le tout, on ne démolit plus rien, non. Le tout, on reconstruit à 100%, non. Il faut savoir à chaque fois adapter sa position en faisant un diagnostic précis de la situation. Parfois, on arrive à des situations tellement grotesques, évidemment, qu'on ne va pas... dénaturer un projet à 100% parce qu'on dit il faut garder le bâtiment. Néanmoins, nous, notre approche, et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, l'approche sensible des choses, c'est de dire, on a un bâtiment qui est là, donc soit c'est un bâtiment qui est patrimonial, qui a vraiment des valeurs, qui a un esprit fort, comme les bâtiments qu'on peut rarement et avec bonheur rénover. Parfois, on fait face à de l'architecture du quotidien, comme tu disais tout à l'heure, et cette architecture du quotidien, on va s'intéresser à trois niveaux. Il y a la structure, l'enveloppe et l'énergie. Alors l'énergie, ce n'est pas quelque chose que les archis en général maîtrisent, mais il faut qu'on en parle. La structure, le bâtiment, le déjà-là, il a une composante forte, c'est qu'il est fait de planchers, de poutres, de poteaux. Et effectivement, cette fameuse trame que nous adorons, nos archis, qui nous permettent de faire de la réversibilité, parfois des bâtiments qui ont été construits par nos consœurs et confrères il y a des années, ça tombe bien, ils ont des planchers, ils ont des poteaux poutres qui nous permettent de se projeter dans un futur. Donc la structure, elle peut être très intéressante et on va la garder. Et ensuite, on va, de manière parcimonieuse, comme un médecin qui va soigner un corps malade, adopter avec couture, je vais déposer cette poutre. Voilà. Donc c'est un travail fin, de long terme, qui nécessite effectivement un diagnostic lent. Et parfois, malheureusement, la nature humaine fait que c'est plus facile de défoncer le projet plutôt que d'y aller au fur et à mesure. Donc nous, les architectes, on a ce travail compliqué de persuader les élus, les villes, la temporalité des projets, les maîtres d'ouvrage, les entreprises, etc., à dire attendons, prenons le temps de faire bien les choses pour une logique de projet de long terme. Patrick Rubin, on voyait tout à l'heure la réhabilitation que vous faisiez d'un parking parisien en siège d'un journal, d'un grand quotidien, c'était Libération. D'une certaine manière, le parking, il peut amener à ce type de transformation parce que la trame régulière dont vous parliez, c'est une forme d'idéal à réhabiliter ensuite. Qu'est-ce qu'il en est sur des bâtiments plus complexes? Et donc, je vous repose la question de ce dogme, on ne doit plus jamais démolir. Vraiment, vraiment? Ou alors, est-ce que ça dépendra de ce qu'on a face à nous? Il faut pas dire on démolira plus. Par contre, il faut dire il faut tout faire pour ne pas détruire. Mais c'est un signal qu'on a tous. Enfin, il faut pas qu'on se mente là-dessus. Il y a eu le 19e siècle qui a produit l'énergie. Il y a eu le 20e siècle qui a construit plus qu'on a construit dans les siècles auparavant. Et il y a le 21e siècle qui fait qu'on peut plus construire. Il y a plus de foncier. Alors, on se retourne. Évidemment, les architectes sont les premiers. Ils ont des résistances. Mais c'est d'où viennent les résistances? Il faut les analyser. La première des résistances, c'est l'entreprise. Parce que c'est bien l'entreprise qui est quand même maître à bord sur une opération. C'est évidemment l'architecte. Non, mais on sait très bien qu'il y a une économie de l'entreprise. Après, ils ont appris à construire, ils n'ont pas forcément appris à réhabiliter. Et d'ailleurs, quand on leur parle de réparer un bâtiment, c'est une culture qu'ils n'ont pas. Dans les écoles d'architecture, jusqu'il n'y a pas très longtemps, il n'y avait pas de master transformation. On a créé le premier à Marne, il y avait Belleville qui faisait, il y avait Rouen qui faisait aussi des avancées, mais les jeunes architectes qui ont été fêtés ce matin, les AJAP, je pense qu'ils sont dans la transition, c'est-à-dire que ils n'ont pas un cours, on leur dit ce semestre on va faire des bureaux, ce semestre on va faire du logement. Ils pensent déjà à la réversibilité et maintenant ils commencent à regarder ce qu'étaient les bâtiments en considérant que ils peuvent les rêver sans affectation. Un bâtiment ancien est sans affectation. Alors donc il y a les entreprises, il y a les écoles d'ingénieurs, il y a les écoles d'architecture. Tout ceci fait un socle qui nous permettra plus tard de réfléchir, et je finis avec ça, comment on rentre dans un bâtiment qui est un,
un grand corps désincarné une fois qu'il a été curé. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réemploie des matériaux neufs ou est-ce qu'on commence à réfléchir avec une notion que je qualifierais plus de design, de comment rentre-t-on des composants industriels fabriqués hors site pour venir nourrir ces anciens bâtiments? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et je finis quand même en disant qu'on va décourager tout le monde à vouloir transformer, parce que quand les appels d'offres sortent, ils atteignent, disons, 2400 euros le mètre carré, alors qu'on va construire à 2000 euros le mètre carré. Donc on peut toujours, et le politique en premier, dire on ne casse plus, sauf que si on n'a pas l'intelligence de la boîte à outils qui fait qu'on peut rentrer dans ces bâtiments très différemment... Et pour rentrer différemment, il faut qu'il y ait l'enseignement qui suive, les entreprises qui suivent. Et à ce moment-là, les opérateurs suivront. Parce que quand on va leur dire que ça coûte 2005, alors que si on construit, ça coûte 2000, tous les gens qui... je dirais 95% des gens qui sont dans ce salon vont dire « Non, 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 on continue à casser. » Mais ils ne pourront pas casser parce qu'il y a la loi ZAN. Enfin, et on se mord la queue, quoi. Et puisque vous évoquez le hors-site, on va y revenir dans un instant parce que c'est une des pistes aussi. Pour l'instant, on pose des problématiques, mais on va essayer aussi d'aller de l'avant et de voir aussi quelles sont les possibilités pour déjouer un petit peu les impasses que vous évoquez à l'instant. Juste avant, Wilfried Jobert, justement sur cette question de dans votre lien, ce que vous nous expliquiez juste avant, dans votre lien avec les partenaires de la construction et notamment les élus. Comment elle se pose cette question-là? Alors, peut-être d'un mot, nous expliquer exactement votre rôle. Est-ce que vous êtes sollicité? Est-ce que c'est vous qui faites pression sur la sauvegarde d'un bâtiment? Et ensuite, comment est-ce que vous en venez à délivrer des conseils et à inciter à de la réhabilitation, notamment plutôt que de la démolition? Alors, donc, nous, on est vraiment sollicité par les collectivités. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans la collectivité, on attend d'être sollicité. Une fois qu'on est sollicité... On est au moment de la réflexion. On est vraiment quand on pense le projet. Le projet n'existe pas encore vraiment. Il y a une envie, il y a une intuition, il y a un besoin. Et c'est à cet endroit-là qu'on est un outil du dialogue avec la collectivité, mais pas que, avec l'ensemble des acteurs, et où on va travailler à de la pédagogie, en fait, de projet, à sensibiliser l'élu. Typiquement, là, on est sur, on travaille avec la collectivité de Saint-Tropez sur un ancien bâtiment du Trésor public, qui est un bâtiment avec une facture assez simple, assez humble, donc une architecture du XXe. Et la volonté de la collectivité, au départ, était de le déconstruire. Donc, notre travail à nous a été d'identifier, de porter un autre regard. C'est comment on porte un autre regard aussi sur cette architecture-là. On a beaucoup moins de difficultés avec un bâtiment du 19e, par exemple, une ancienne école, où voilà, il y a une esthétique particulière et qui parle au cœur de chacun, à l'histoire, à la mémoire, etc. Que ces bâtiments-là... On les a pas encore racontés. On n'a pas encore raconté complètement cette architecture-là. Et donc, nous, notre travail, il est d'apporter cette histoire-là, de regarder le bâtiment différemment, d'ouvrir les yeux et de montrer la richesse qui existe encore. Et on voit avec la ville de Saint-Tropez, donc, qui se lance dans un projet, qui lance un appel d'offres, où nous, on aide à la rédaction de cet appel d'offres en mettant voilà, les critères qui, pour nous semblent essentiels. Et ils vont dans une démarche où ils gardent ce bâtiment et voilà, pour en faire des logements. C'était des bureaux, ils vont en faire des logements maintenant. Et quand vous dites à l'instant, vous semblez dire aussi que c'est en redonnant aussi, en remontrant la valeur des bâtiments, la valeur culturelle des bâtiments qu'on peut participer à mieux les préserver. Mmh. Ça se fait directement auprès des élus ou est-ce que vous pouvez utiliser aussi le public comme dans le cadre d'un billard à plusieurs bandes ou une exposition qui valoriserait un architecte, un tel type d'architecture va finalement auprès des citoyens rendre inconcevable l'idée de détruire un bâtiment? Oui. C'est un billard à plusieurs bandes. On est effectivement sur plusieurs étapes, sur, comme je disais tout à l'heure, plusieurs portes d'entrée. Le CAUE VAR a développé il y a quelques années maintenant une application, Archhistoire, qui permet d'interpréter l'architecture à travers un dispositif hybride, etc.
outil qui aujourd'hui est à la disposition de l'ensemble des CAUE sur l'ensemble du territoire national et qui est une façon d'aller toucher un public, de capter un public avec son smartphone et qui va découvrir un bâtiment et où on va raconter son usage, le dispositif constructif, etc. C'est redonner de la valeur aussi à cette architecture-là. Alors effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'architecture qui fait partie de notre histoire, il est beaucoup plus facile d'avoir un discours et d'amener, on voit bien, les journées européennes du patrimoine, ça marche très très bien. Nous, on a les journées nationales de l'architecture qui sont un mois après, où on travaille avec les DRAC, notamment sur ces sujets-là, et où on souhaite que ces journées de l'architecture soient des journées destinées à cette architecture du 20e, et pas que, l'architecture contemporaine, bien évidemment, du 21e. Et donc, on développe des outils, des promenades, des visites, des rencontres. La visite de chantier, c'est vraiment, vraiment un acte fort, quoi, qui sensibilise énormément le public. Patrick Rubin. Oui. Je ne veux pas être trash comme ça, mais le fait qu'on soit sur le bâtiment où il y a marqué culture derrière, et j'apprécie énormément tout ce que tu dis en pédagogie, quoi, auprès des élus, c'est pas que la culture qui fera bouger l'architecture, enfin, je suis sûr que tu en es d'accord. C'est vraiment, il y a une transversalité qu'il faut vraiment mettre en place, mais très très vite, on est très en retard sur ça. Tu parles des élus, tu fais parler les élus, mais hier soir j'étais pour défendre la tour, la démolition de la tour de l'INSEE à Paris, à Malakoff, ou à Paris, comment on fait. Mais l'État, il bombarde Malakoff, il dit je détruis, il va détruire la. Donc il y avait deux maires qui étaient là, deux élus, Malakoff et Paris 14, ils peuvent rien faire, quoi. Donc ça n'est pas vrai en conciliation, j'ai envie de dire en gentillesse, comme disait Basmet, ça ne marche pas, quoi. Les Français, ils sont trop gentils dans ce domaine-là. Et nous, on n'est pas assez forts. Vous voyez, quand je dis les entreprises, si on n'a pas d'entrepreneurs représentés sur ce podium, on va continuer à parler entre nous. Et ce sera, évidemment, ce sera de l'entre-soi. Mais si on ne réfléchit pas, comment faire pour. De toute façon, il faudra les garder, ces bâtiments, les plus ordinaires soient-ils. Et il faudra faire la ville avec ceci, mais il faut qu'il y ait des incitations. Et juste pour appuyer, vous parlez à l'instant de l'INSEE, et pour aller dans votre sens, il y en a tellement, il y a Tourcoing, il y a le Mirail, il y a le Théâtre de Nice, tous les jours on entend, et là je parle de bâtiments plutôt exceptionnels justement, c'est sans même aller sur du quotidien, du banal. Il y a Caroline Toulouse. Poulain. Oui, ça, ceux-là, évidemment, ils sont, enfin voilà, il y a un vrai. Voilà, on est tous pour signer la pétition pour ne pas démolir le Mirail, je pense, ici. Non, moi, je voulais parler d'un bâtiment beaucoup plus modeste, justement. On a été amené à travailler il y a plusieurs années sur le fond de mer de Saint-Paul, sur l'île de la Réunion. Et on a été amené à revenir sur ce projet. Et quand on est arrivé, le projet n'avait pas beaucoup évolué depuis plusieurs années. Et la seule chose qui était en train de se faire, c'était, avec des subventions, effectivement, pour rejoindre un peu les débats précédents, de l'État pour la démolition d'une école. Et en fait, on s'est dit, mais finalement, maintenant, démolir cette école, ça n'a plus aucun sens. Elle a le bon gabarit, elle est mutable, a priori. Pourquoi la démolir ? Donc, on est allé devant le conseil municipal pour exposer cette piste. Et tout le conseil, enfin, tout, j'exagère, mais la moitié du conseil municipal en larmes, de bonheur, parce que finalement, l'école n'allait pas peut-être être démolie. Mais en fait, personne n'osait se le dire. Donc, au-delà de la valeur de l'architecture, il y a en fait une valeur sentimentale. Je pense qu'on sous-estime complètement des choses. Et en fait, ils étaient extrêmement émus, tous ces élus, parce qu'ils avaient tous passé un moment dans cette école. Donc, voilà, je pense que ça, c'est des paramètres peut-être qu'on oublie aussi. Qui sont juste dans le souvenir, en fait, d'une époque. Voilà. Pour corroborer à vos propos, nous, on voit le travail qu'on peut faire auprès de la population, des habitants, quand on est sollicité par une collectivité où on va faire des ateliers. Ça peut être des ateliers écriture. Quand on voit les gens s'exprimer autour d'un bâtiment, comment. Quelle est leur lecture sentimentale, émotionnelle
de l'histoire d'un bâtiment, c'est surprenant et c'est souvent un travail qu'on fait avec les architectes pour aussi que les architectes entendent en termes d'usage toute la qualité de l'architecture, elle se passe aussi par l'usage. Et c'est vrai que voilà, il y a une émotion. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le travail qui est fait, nous on voit là, l'exposition qu'on va faire sur les déchets de la construction, on le fait en partenariat avec la Fédération des BTP. On essaie d'amener les entreprises sur ce terrain-là. On travaille avec les start-up de la French Tech sur les outils à développer sur les usages d'un bâtiment. Donc c'est une approche transversale, forcément. Et bien justement, on va en parler du secteur du BTP là-dedans, puisque pour avancer dans notre propos, une fois fait le choix de la réhabilitation, maintenant il faut la mettre en œuvre, cette réhabilitation. Vous disiez tout à l'heure, Patrick Rubin, la culture des entreprises du BTP, c'est la culture du neuf. Il faudrait tendre à la faire évoluer vers la culture de la réhabilitation, mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Et pour vous poser la question, je me suis dit peut-être, Caroline Poulain, ce bâtiment emblématique et sur un chantier un peu complexe, peut-être pouvait nous apporter une piste de réponse. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en matière technique sur les questions de réhabilitation? Est-ce que tout est réhabilitable? Est-ce que parfois les entreprises et les connaissances techniques peuvent amener aussi à peser dans la balance pour éviter ça? En tout cas, bon, moi je peux parler que des cas que je connais, hein, je ne vais pas faire aucune généralité, mais en ce qui concerne le projet que vous voyez derrière vous, c'est la transformation d'un WTC, d'un World Trade Center qui est dans les quartiers nord à Bruxelles, et c'était donc deux tours jumelles des années 70 qui sont retransformées, de bureaux bien sûr, qui sont retransformées en bureaux, hôtels et logements. Un étage sur deux, avec, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, c'est un projet vraiment assez intéressant, puisqu'il pousse la mixité jusqu'au bout. Mais pour répondre à la question technique, finalement, on a été amené à démolir plus que prévu, notamment les planchers. Et l'ensemble du... Donc là, ça a été mis au point avec une entreprise au Luxembourg. Et je crois qu'un peu plus de 95% des bétons est recyclé pour revenir sur le bâtiment, pour recouler les nouveaux planchers. Donc en fait, il y a une sorte de système d'auto-transformation, on va dire, du bâtiment sur lui-même. Et effectivement, c'est fait avec une entreprise, avec des techniques très novatrices. Et voilà. Parce que justement, quand j'ai vu cette image, elle est incroyable, cette image de gauche où on devine que le noyau a été conservé, mais c'est qu'on déshabille tout le reste. Je me suis demandé si, pour le coup, c'était pas des limites techniques qui vous empêchaient d'aller plus loin dans la réhabilitation. Si, tout à fait. C'est en fait à l'origine, on pensait pouvoir garder tous les noyaux, évidemment, de distribution, et aussi tous les planchers. On savait que là, il faudrait déposer la façade pour reposer une nouvelle façade. Mais en fait, on a été obligé finalement de... Parce que les planchers avaient trop de déformations. Et donc, c'est pour ça qu'on a déplacé la technique pour aller vers plutôt la transformation du béton sur lui-même. Mais effectivement, à l'origine, on voulait conserver les planchers. Un autre élément qui parfois peut un peu peser sur des envies de réhabilitation, je ne sais pas si vous l'avez eu, Motkobe, avec la réhabilitation du siège de l'ONF, mais les questions d'amiante, notamment les questions de pollution particulièrement présentes sur ce patrimoine, sur cette architecture 20e dont on parle un peu plus précisément aujourd'hui. Là encore, un frein, Motkobe, peut-être si vous voulez commenter. Oui, alors juste, je voulais revenir sur ce que tu disais, Patrick, sur les entreprises qui étaient un peu en frein à repartir sur des projets de restructuration. Moi, personnellement, mon agence, ça fait 17 ans que je suis à la manette. Quand j'ai commencé, on m'a proposé j'ai eu la chance, je suis tombée après l'école d'architecture, j'ai travaillé 2-3 ans en tant qu'indépendante chez un designer, donc qui m'a donné l'envie de travailler le détail. Et c'est vrai que dans les écoles d'architecture, je ne suis pas professeure d'architecture et je pense que j'aimerais envie de transmettre un petit peu maintenant, même. Peu importe, tout ça pour dire que la transmission, elle est importante. Et j'ai appris de cette école du zen d'intérieur le souci du détail et le souci de progresser dans un espace avec la petite échelle.
Et cette petite échelle, elle nous oblige à organiser l'espace du plus petit au plus grand. Et donc, rapidement, au bout de 3 ans, j'ai créé ma structure et je suis tombée par hasard dans un appel d'offres, un concours d'architecture d'intérieur. C'était rénover un immeuble de bureau. Pendant 6 ans, je n'ai fait que ça. Je rénovais des immeubles de bureau, je restructurais des immeubles de bureau. Et j'avais mes copains de l'école d'architecture, que j'adore, que je recroise encore maintenant, qui me disent « Mais Maud, à l'époque, on disait que tu nous déroulais de la moquette. » C'était très... Voilà, j'étais de cette école qui travaillait avec le tertiaire. C'était pas bien. Et donc, au bout de 5 ans... on essaie de s'intéresser à transformer des immeubles de bureaux et on les transforme en logements et on essaie de créer des espaces qui sont mutables, polyvalents, transformables, etc. pour créer une désirabilité, etc. Et maintenant, je suis très contente, 17 ans après, d'avoir une agence où on s'est fait depuis toujours qu'on restructure des immeubles de bureaux, qu'on restructure des immeubles de logements, qu'on travaille la réversibilité plus maintenant qu'avant, évidemment, tu as raison, c'est en vogue, mais en même temps, rien de super, tout se transforme. Et j'ai eu dans mon humble parcours, quand même croisé beaucoup d'entreprises dans le BTP qui s'intéressent depuis toujours, surtout les artisans, à la restructuration. Et cette crise qui nous oblige, elle pousse malgré tout ces entreprises, ces grands majeurs que nous connaissons tous, hein, les 3-4 majeurs, à se ressourcer vers la restructuration lourde. Et là, je trouve, pour être un peu optimiste, que la filière commence à s'organiser parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait un nouveau marché. Voilà, donc j'essaierai de temporiser un petit peu les choses en disant il y a quand même une filière qui s'organise. Et alors, le financer, qui veut payer? Effectivement, il y a un problème de coût. Et alors là, tu reposes la question sur le coût du réhabilitation, c'est pas facile, effectivement, ça a un coût. Tu arrives sur un projet, le terrain, déjà, le maître d'ouvrage me dit, Maud, je suis emmerdée, le terrain, il m'a coûté déjà trop cher, on n'a plus d'argent pour le rénover. Donc, première question, c'est le foncier. Comment on peut enfin arriver à restructurer un bâtiment en sachant que quand tu l'as acheté, le terrain coûte plus cher que le bâtiment. Deuxième bug, le terrain est pollué. C'est vrai que souvent, ces sites incroyables ou ces sites pas terribles, patrimoniaux, industriels, etc., manque de bol, ils ont été pollués. Comment on va pouvoir hériter? Comment on hérite de cet héritage de pollution et comment on va pouvoir repartir à zéro en sachant que tu as déjà dépensé de l'argent pour l'acheter, dépensé de l'argent pour le dépolluer, etc. Et puis, je ne parle pas de l'amiante et je ne parle pas du plomb. Et la quatrième mauvaise ou bonne nouvelle, c'est qu'on va te dire maintenant, tu es obligé, et je pousse évidemment, à étudier des matériaux biosourcés. Matériaux, le bois, la terre crue, la pierre, etc. C'est des matériaux nobles qu'on adore, mais on sait très bien qu'ils coûtent plus cher. Donc, quatrième paradoxe, comment on va faire? Et là, c'est la quadrature du cercle. Peut-être Patrick Rubin sur cette question de coût, mais peut-être juste avant sur justement l'optimisme évoqué, autoproclamé de Maud Kobe dans la transformation des entreprises. En tout cas, de dire juste qu'il y a certaines qui s'y intéressent, c'est ça que je veux dire. Oui, non, mais c'est ça que je veux évidemment, dire. Évidemment, mais je. Il y a un enjeu économique pour elle aussi, on imagine. Non, mais pourquoi je suis clivant, parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur ces sujets et je sens monter un vent d'espoir formidable en disant on va plus jamais détruire, on va tout rénover. Et je repose la question, comment? Et j'essaie de donner un exemple concret. Quand on fait un bâtiment rénové avec les meilleures entreprises que ce soit, ils vont utiliser ce que je vous ai dit tout à l'heure, la culture du neuf. Donc on va pénétrer dans ces bâtiments avec du placo, des faux plafonds, du PVC, enfin tout ce qu'on connaît. On va à Saint-Nazaire, où ils fabriquent les transatlantiques. À Saint-Nazaire, je visite une usine, c'est compliqué, hein, qui fabrique des cabines de paquebot. Ils sortent 40 cellules, là je vous parle de micro-logements, hein, ils sortent 40 cellules par semaine. L'efficience des gens qui travaillent au chaud... C'est mixte. L'efficience, elle est de 80%. L'efficience, ça veut dire qu'il travaille 80% sur 100% qu'il pourrait faire. Je retourne sur mon chantier à Paris. On sort 4 logements en une semaine, alors que les autres en sortent 40, avec les matériaux classiques qu'on utilise classiquement. C'est normal. Il y a les majors, il y a Saint-Gobain, il y a Isover. Enfin, c'est une espèce de chaîne économique. Si cette chaîne économique se mettait à réfléchir à un autre moyen de rentrer dans ces bâtiments avec justement cette question du hors-site, quand il y a 15 entreprises qui se bagarrent sur un chantier de rénovation, c'est la guerre, quoi. Si par contre on laissait faire ce que j'appelle le solide d'un bâtiment, hein, un bâtiment il est curé,
Et après, on appelle la partie liquide. Mais la partie liquide, elle se fabrique à l'extérieur, hors site. Je suis clair, là. Et on fait se rencontrer à la fois le squelette et les composants de seconde œuvre. Là, ça commence. On commence à avoir la réponse aux politiques qui nous disent ne plus détruire. Pas seulement les politiques, hein, ce que vous disiez, bien sûr, l'émotion, enfin, notre histoire à tous, notre histoire composée. Alors, mais Mouzaïa, mais pour préciser, c'est pas dans ce cadre de ce projet-là que vous menez cette expérimentation du construction hors site qu'on rentre. Un mot. Oui, ça, c'est pour la RIVP. On fait 10 000 mètres carrés, logement étudiant classique, comme je viens de vous le dire. Il y a du placo, il n'y a pas de PVC, il y a du lino, c'est mieux. Et je vais voir le maître d'ouvrage, RIVP, il est très content. Et puis, je lui dis, mais vous savez, on peut faire encore plus vite et moins cher. Elle me dit, mais très bien, inscrivez-vous à un prochain concours. Alors, on s'inscrit sur Jussieu, des labos formidables. Il faut faire 600 logements pour la RIVP. Et ce que je viens de vous dire, je le mets à l'épreuve. C'est-à-dire qu'on va voir les chantiers, on pense à des tiny houses, on pense au bois, on pense à la rapidité. Le bâtiment était magnifique, c'est un architecte qui s'appelle Cassan, vous le voyez, il est en face du Jardin des Plantes. Et on perd. Alors je vais revoir le maître d'ouvrage et je lui dis, mais pourquoi on a perdu? Évidemment, on croit toujours qu'on est les meilleurs. Et il me répond, trop tôt, trop risqué. Et je lui dis, mais ça veut dire trop tôt, trop risqué? C'est moins cher, on gagne un an. Il me répond, si jamais votre affaire, qui est un peu expérimentale, ne marche pas, Hidalgo, ça ne va pas aller. Quoi. Vous voyez, enfin bon, je caricature à peine. Hein. Alors qu'on dit qu'un chantier doit être plus rapide, qu'on dit qu'il faut loger des étudiants en célérité, et tout ceci. Mais, voilà pourquoi je suis d'accord avec ce que tu dis, Maud. Bien sûr qu'il y a des entreprises qui essayent, mais il faut complètement changer... Le mode d'approche de la de comment on rentre des corps étrangers dans un corps constitué. Mais et ça, préciser, c'est une question de design. Bon, non, pour préciser, parce que vous nous parlez vraiment d'unité de logement qu'on rentre. C'est pas des containers, non. Ouais. C'est, ça n'a rien à voir avec les containers hein, qu'on empile. Ce sont des espèces de grands meubles qu'on rentre. Les Chinois font ça très bien. Hein. Et ça marche. Enfin, comment on le rentre? Enfin, je pensais même à une question purement comme technique. Ça et comme ça. D'accord. J'ai pas la photo, mais on voit les cargos. Comment sont armés les cargos? Enfin, non, les paquebots là. La coque, elle est éventrée, et puis il y a un ascenseur, et puis on rentre. Pour cet exemple-là, hein, on rentre les cabines, et après il y a des rouleurs. C'est des gars vachement malins. C'est en général des Siciliens et qui arrivent à juxtaposer. C'est exactement une résidence. Vous pouvez très bien voir une résidence étudiante rentrer dans des cabines de paquebots en pensant que c'est des cabines classiques. Parce que je veux dire que, vous voyez, c'est pour ça que je dis, il faut que l'entreprise, il faut que le politique, il faut que les industriels, le BTP se parlent pour cet énorme défi du stock de bâtiments ordinaires hein, qui existent et qu'on ne va plus détruire. Ça, c'est la phase d'après le discours politique. Alors, on continue dans la présentation, dans l'étude de notre corpus. Alors, on n'est pas dans un bâtiment particulièrement ordinaire, Maud Kobe, je pense au sanatorium de Dreux. Je voulais le présenter pour illustrer la question du changement d'usage. Si vous voulez nous raconter la réhabilitation que vous en faites, en tout cas, on le questionne pas forcément. Enfin, là, jusqu'à présent, on n'a pas tellement questionné ce changement d'usage, mais puisqu'on on est en train de passer au rayon X, le principe de réhabilitation et le lien avec la transition écologique, j'aimerais tout de même vous poser la question. Est-ce que ça fonctionne toujours? C'est pas forcément évident. Cette tour de l'INSEE dont vous parliez, Patrick Rubin, il est question de la détruire, effectivement. Il y a des mobilisations qui essayent de faire en sorte qu'on la préserve en proposant des nouveaux usages. On peut imaginer plein de choses dans une tour de bureau comme celle-ci. Qu'est-ce qu'il en est d'un sanatorium? Qu'est-ce qu'on peut faire dedans? Comment les espaces ne sont pas trop contraints pour ouvrir à des usages larges? En fait, on aimerait être aussi bons, nous, maintenant, que nos anciens quand ils créent des bâtiments. Ce qui est incroyable, c'est l'héritage de ce site patrimonial classé à une heure de Paris, à Dreux, dans un espace protégé. Alors, je suis un peu gênée parce qu'on rénove à l'agence beaucoup, beaucoup de bâtiments délaissés. Donc, je suis fière de montrer cette image qu'on adore, évidemment, parce que quand on vous propose de rénover un bâtiment patrimonial classé art décoratif assez exceptionnel, on se saisit de la question. Mais juste pour revenir, que c'est notre quotidien, c'est 95% de projets qui ne sont pas forcément désirables. Ça, c'était juste pour dire les choses. Après, on va essayer de s'intéresser à ce beau projet. Donc, c'est un sanatorium. Un sanatorium, c'est un espace où on soignait des malades de la tuberculose entre les deux guerres.
Le vaccin est arrivé, heureusement, et donc on peut guérir de la tuberculose. Et à l'époque, ces bâtiments étaient construits, moins orientés vers le sud, parce que la lumière naturelle permettait de guérir les malades. Et donc cet ensemble assez extraordinaire, qui correspond à peu près à 7 bâtiments, 12 000 mètres carrés, donc c'était des lieux où on en soignait les gens, donc on hébergeait les gens pour les soigner. Il y avait des bâtiments dédiés aux hommes, des bâtiments dédiés aux femmes, des bâtiments dédiés aux enfants. Donc c'était vraiment un morceau de ville dans une forêt. Et donc, quand on a eu, quand on a gagné ce concours il y a un an et demi avec le maître d'ouvrage et la ville de Dreux, on a essayé d'imaginer un projet qui puisse faire vivre les saisons, qui puisse faire vivre les usages, qui puisse croiser les liens entre les gens qui vont travailler, les gens qui vont dans un lieu destination comme celui-ci. Et donc, au final, on a un lieu dédié au bien-être et à la remise en forme, un lieu dédié... donc aux soins, un hôtel et puis surtout un lieu où on va pouvoir faire de la création artistique et une résidence pour les artistes. Voilà, donc ça c'est le projet qui nous importe et l'idée c'était de venir créer quelques extensions parce que parfois les bâtiments, on a envie de pousser un peu les murs parce que l'usage ne permet pas non plus de construire à 100% et donc on va essayer de s'immiscer avec des extensions les plus humbles possibles en respect au lieu et... C'est là où je voulais en venir, en fait. Oui. C'est que, qui dit réhabilitation ne dit pas nécessairement de se contenter de l'espace déjà existant. On peut aussi le faire un petit peu évoluer. Alors, l'objectif, malgré tout, c'était de dire que le maître d'ouvrage avait un programme ambitieux avec des constructions neuves. Et on a travaillé pendant 6 mois avec les équipes pour essayer de loger au maximum les usages dans le projet. Donc, on a vraiment minimisé l'impact des constructions neuves sur ce projet. Et on a simplement, du coup, au final, en travaillant habilement sur les espaces à l'intérieur du bâtiment, créer des extensions qui sont mineures pour pouvoir éviter, évidemment, de construire au maximum. Ce qui est un peu un cas d'école, parce que quand tu es architecte, tu as envie d'avoir finalement une expression importante. Et donc, c'est toujours un peu ce côté sclérosant de se dire, d'un côté, je veux faire en sorte de garder le bleu déjà là. Et en même temps, on a envie de donner sa patte, ce qui est tout à fait logique. Donc, c'est trouver ce juste équilibre, ne pas être dans le pathos et en même temps, essayer de respecter la mémoire du lieu. Wilfried Jobert, est-ce qu'il y a des grandes icônes, j'allais dire, en tout cas des bâtiments qui participent aussi à diffuser cette culture de la réhabilitation? Encore une fois, on citait tout à l'heure la Caton et Vassal, évidemment qu'avec la Tour Bois-le-Prêtre, puis plus tard avec leur opération à Bordeaux Grand Parc, ils ont, j'ai l'impression, durablement fait évoluer l'image qu'on a de tout ça. Je ne sais pas ce qu'il en est ensuite dans les faits, et peut-être je pourrais vous reposer la question, mais en matière d'image, est-ce que c'est important un peu ces icônes qui annoncent un petit peu le chemin à suivre ? Je pense que oui, c'est des icônes qui font référence dans l'histoire aussi, qui nous permettent de nous appuyer sur des savoir-faire, sur un contexte aussi, d'expliquer un contexte d'un projet. Par exemple, nous, on a fait toute une exposition sur l'architecture balnéaire des 30 Glorieuses, qui s'appelait Architectopie, où effectivement, il y a des projets qui sont existants sur la côte varoise, mais il y a aussi des tas de projets qui ne sont jamais sortis et qui pourtant offrent aussi une image iconique et des possibles. C'est la question de la désirabilité, vous en parliez tout à l'heure, par rapport à cette architecture du quotidien, c'est comment aussi on la met en parallèle avec ce qui, à un moment donné, fait rêver, donne envie. Pour nous, il est important aussi de mettre en valeur des architectes et des architectures pour nous servir, en fait, ensuite de support à la discussion, à l'échange et au possible. Caroline Poulain, puisque... allez-y, je vous en prie. Peut-être une chose que j'aimerais dire, c'est que souvent, quand on est amené à transformer un bâtiment plutôt qu'à construire en neuf, si on veut faire aussi une forme de comparaison et par rapport à l'usage, je pense qu'aujourd'hui, quand même, globalement, les programmes, que ce soit notamment de logement, sont quand même terriblement appauvris. C'est-à-dire qu'on est contraint à vraiment tout ajuster au demi-mètre carré près. Et l'avantage de travailler sur des bâtiments assez banaux, c'est que évidemment le maître d'ouvrage il accepte d'emblée que ça va pas rentrer pile poil. Donc ça permet aussi aux architectes que nous sommes que d'être aussi, par rapport à l'enjeu de projet,
d'être inventif et de pouvoir proposer peut-être à des moments des projets plus, finalement plus intéressants, même en termes d'usage, même avec cette transformation, qu'on ne l'aurait fait sur un bâtiment neuf. Ça, je pense que c'est un réel... en tout cas, nous, c'est comme ça que souvent, on a l'impression qu'on arrive à faire nos projets. Et par exemple, si on veut parler de la Tour des Poissonniers, si on avait dû faire une résidence étudiante, on aurait fait sûrement avec beaucoup moins de communs. Et comme on avait, à travers la transformation, déjà notre programme donné par Paris Habitat, ben, tout ce qu'on a gagné, entre guillemets, de mètres carrés en plus, on a pu le travailler sur un projet autour des communs pour cette résidence d'étudiants. Donc, enfin voilà, il y a toute cette matière-là, en fait, qui, du coup, a cette richesse-là aussi. Et maintenant qu'on est tous convaincus, si on n'était pas par tous ces avantages de la réhabilitation, je me tourne vers Patrick Rubin et on en revient à votre introduction de tout à l'heure. Vous nous disiez, on est tous d'accord pour transformer, pour ne plus démolir, mais on ne nous dit pas comment faire. Et alors, je vous retourne la question d'une certaine manière. Vous nous avez proposé une solution technique qui pourrait participer à faciliter la réhabilitation, donc c'est cette construction hors site préfabriquée qu'on pourrait plus facilement intégrer dans des bâtiments existants. Plus largement, qu'est-ce que, selon vous, et on ouvrira ensuite le débat, qu'est-ce qu'il faut faire, Patrick Rubin, pour lui donner une échelle beaucoup plus importante, cette réhabilitation? On est ici sur le stand du ministère de la Culture. Plus précisément, plus largement au sein du MIPIM, on a avec nous tous les acteurs de la construction, de tout ce qui se fait aujourd'hui en France notamment. Qu'est-ce qu'on doit leur dire et à qui, et comment on va enfin passer à une étape supérieure? Juste un mot. C'est vrai que c'est réjouissant d'arriver dans un lieu où il y a des parties perdues. Que faut-il faire? Je l'ai dit, transversal. Moi, j'ai toujours trouvé suspect dans une agence d'architecture, il y avait des architectes. Un truc qui ne va pas, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'occuper de la société si... Bon, je parle d'agence moyenne, ou petite et moyenne. Donc, si dans la pensée, les écoles... Alors, ça se fait aujourd'hui, les écoles des ponts et les écoles d'archi commencent à faire du transverse. Il ne faudrait pas croire que Chaillot est la réponse à la rénovation, à la réhabilitation. Ça, c'est du patrimonial, c'est pour les très très beaux bâtiments. Je reparle du stock existant. Et je dis que tu me poses la question, je réponds. Le BTP, les industriels, je ne les vois pas, je les croise pas, ce n'est pas les mêmes. Si je vais dans un salon industriel maritime, ou si je vais dans un espace logistique, je ne vois pas les mêmes personnes. On n'est pas appelé par les mêmes personnes. Ça pourrait être régulé par des questions législatives. Par exemple, le législatif peut influer sur l'économie. Je crois que ce qu'il y a de plus fort que le politique, c'est le marché. Et le marché, c'est un moment quand est-ce que les industriels... Je ne dis pas les industriels qui travaillent pour le BTP, mais les industriels qui travaillent dans d'autres domaines vont se retrouver. Airbus, le TGV... Enfin, on est tous très très souvent confrontés à des environnements technologiques. On se demande pourquoi la fabrication des maisons n'est pas identique. Alors ça, je sais que c'est une chimère des architectes qui voudraient qu'on fabrique les maisons comme des automobiles. Mais évidemment qu'à un moment, il faut qu'on se pose la question. Donc tu m'as demandé, je te dis, c'est du transverse. Et dans les écoles aussi, hein. Pas que dans la fabrication. Et alors peut-être je peux ouvrir un tout petit peu la question à vos voisins, Patrick Rubin, et puis on va arriver bientôt à l'issue de notre discussion. Peut-être Caroline Poulain sur les actions, les leviers. C'était pas exactement précisé comme ça dans le titre de la discussion, mais voilà les leviers précis à mettre en œuvre aujourd'hui pour la généraliser, cette transformation. Ce qu'on entend quand même régulièrement, alors ça dépend évidemment de où on parle, mais par exemple, à Paris, il n'y a plus de foncier. Donc forcément, ça va forcément passer par beaucoup de transformations, puisque c'est là où, entre guillemets, on a, pour dire des mots industriels, du stock. Donc mathématiquement, ça va
posée peut-être de manière beaucoup plus massive, je pense, dans les années qui vont venir. Après, un autre élément de réponse, parce qu'effectivement, ça coûte même, enfin, en tout cas, ça coûte pas moins cher de transformer. Par exemple, la tour des Poissonniers, si on devait la faire en neuf, elle coûterait peut-être même moins cher. Mais là où les choses peuvent se cumuler et là où on peut retrouver un intérêt, c'est quand à un moment, à la fois, on a, là, je parle par exemple de la tour des Poissonniers. Structurellement, elle est trop faible pour accueillir déjà une nouvelle façade dans les nouvelles conditions des normes. Donc, de toute façon, le bâtiment, on est obligé de l'épauler structurellement. Mais en l'épaulant structurellement, du coup, on peut rajouter des planchers. Donc, on rajoute des planchers. Donc, quelque part, on regagne en foncier en mètres carrés. Ensuite, ces espaces-là peuvent servir bon, soit à différents usages, soit à faire des tampons thermiques, etc. Donc, il y a aussi... Enfin, trianguler, alors d'une autre manière, je dis un peu les choses d'une autre manière, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut que les projets soient suffisamment intelligents pour arriver à cumuler les différentes contraintes et qu'elles deviennent la force de ce qu'on peut arriver à donner au projet et pour qu'à la fin, tout le monde y gagne, et notamment les futurs usagers en priorité, mais qu'aussi notre maître d'ouvrage puisse s'y retrouver. Pour terminer, un dernier mot, parce qu'il y a un sujet qu'on traite assez peu à propos de réhabilitation, c'est la question du paysage. Alors je voulais vous demander peut-être sur ces deux images, Maud Kobe et Caroline Poulain, peut-être Maud, en commençant avec vous, c'est quoi un paysage dans le cadre d'une réhabilitation? Est-ce qu'on réhabilite un paysage? Est-ce que ce terme même a du sens? Est-ce que vous voulez... Oui, c'est vrai qu'on parle toujours du bâtiment, l'existant, le déjà là, donc c'est un peu une matière inerte finalement, et on oublie... Est-ce qu'au final, on construit pour des habitants, pour des usagers, et on doit composer avec le vivant. Le vivant, c'est nous, c'est le rapport aux saisons, c'est le rapport à la biodiversité. Et quand on travaille et qu'on a une approche assez holistique sur un bâtiment qu'on va rénover, évidemment qu'il faut qu'on s'intéresse au territoire dans lequel il se situe, à la petite et à la grande échelle, et au dialogue qu'on peut émerger entre l'existant et le vivant, entre le patrimonial, la matière inerte et le paysage. Construire la ville sur la ville, ça veut dire densifier. On arrivera à densifier en créant des espaces apaisés que si et uniquement on considère le vivant et le paysage. Et pour moi, c'est fondamental. Et ce que tu disais, Patrick, et ce qu'on disait tout à l'heure en ligne de mire, c'est effectivement, il faut qu'on ait une approche très holistique, très transversale. Et cette transversalité, elle doit se faire avec les constructeurs, avec les aménageurs, avec les architectes, avec les paysagistes. Et ça doit passer par l'enseignement. Et je pense, pour répondre à ta question principale de comment on peut y arriver, c'est l'enseignement, l'enseignement et l'enseignement. Et peut-être que le fils de l'artisan qui passait son temps à démolir pour cracher son béton, il aura cette vision parce qu'il sera né en 2030 et il se dira « Merde, moi, j'ai pas envie dans ce monde-là. » Et il va tirer parti de ce système de préfabrication que son papa faisait en faisant du béton branché et il fera la terre crue branchée. Il fera autre chose. Donc j'essaie encore une fois d'être optimiste parce qu'on n'a pas le choix. Il faut encore une fois se dire, par l'enseignement, je pense qu'on va arriver à avoir des solutions. Effectivement, le temps passe trop vite, la machine est longue, on se voit chaque année au MIPIM, au CIMI, on se retrouve avec de mauvais réflexes, on est bien d'accord. Après, l'attitude à donner, c'est le courage et le courage. Et effectivement, malheureusement, pour l'instant, quand on passe à la caisse, on se rend compte que ça coûte très cher, c'est l'adéquation. Et pour répondre à ta question, je pense que le fiscal pourra nous aider dans le court terme, parce qu'il n'y a que le pognon qui finalement fait avancer les choses, malheureusement. Pardon. Et je me demandais juste un rapide mot sur la question du paysage. On n'en a pas beaucoup parlé. Là, c'était alors, juste parce qu'on a rénové un bâtiment qu'on a beaucoup à Pantin, dans un territoire assez compliqué, dans une zone urbaine très compliquée à Pantin. Et c'était super parce qu'on a dialogué avec un paysagiste. Et donc, moi, on m'avait donné la mission en tant qu'architecte de rénover ce bâtiment qui était des anciennes usines, des manufactures. Donc, un bâtiment fermé. Hein, c'était un lieu de travail où on était condamné à produire. C'était une usine de filature de quartier Bresson. Et la ville de Pantin nous a demandé de travailler cette reconversion pour un centre culturel et un lieu dédié à la petite enfance. Et on avait en face ce parc. Et donc, on a proposé, pour la réponse de cet appel d'offres, de dire tout simplement, on va ouvrir ce bâtiment assez incroyable au paysage et on va faire rentrer le paysage, etc. Et donc, on est heureux maintenant de retrouver cet espace... où finalement tout le monde tire du profit, la nature, la biodiversité, les gens qui travaillent et qui vivent autour, et puis ça devient aussi un lieu de destination puisqu'un petit peu branché.
Et alors, même question, Caroline Poulain, et ça va clore notre discussion sur voilà, la place du paysage dans un projet de réhabilitation, et peut-être qu'on pourrait l'illustrer à partir de ce projet à Cergy. Alors, c'était un projet qui avait été lancé par Postimo, et bon, ça va, on va reboucler un peu avec le début de notre discussion, et Postimo avait intitulé ça « Réinventer les années 70 ». Donc, Postimo avait envie que son patrimoine à Cergy de cette poste des années 70 peut-être retrouve de nouvelles fonctions. Il y avait plusieurs équipes en compétition. Il se trouve que nous, on est la seule équipe qui avons gardé le bâtiment pour le retransformer, surtout réactiver sa base. Et puis, la densification qu'on a amené en plus, puisqu'il y avait la possibilité de construire. On pouvait construire même plus haut que le bâtiment de la poste existant. Mais on a préféré rester en dessous du niveau de la poste aussi pour que ce bâtiment un peu iconique de la ville nouvelle garde bien sa marque aussi de ces strates un peu de la ville nouvelle qui commence à construire toutes ces différentes couches et strates progressives, et avec l'enjeu aussi surtout de donner des meilleurs accès entre la dalle et le sol des espaces publics, des mobilités publiques. Et comment améliorer aussi, évidemment, un grand jardin qui est aménagé sur la base par une jeune paysagiste, Annabelle Ackman, qui est très bien. Et ça a été annoncé il n'y a pas très très longtemps, si je ne dis pas de bêtises. Hein, donc c'est pour quand la livraison ? Non, ça prend plus de temps que prévu, parce que aussi pour des raisons aussi budgétaires. Ça prend toujours plus de temps que prévu. Donc non, là, pour le moment, on retravaille à des dépôts de permis de construire, etc. Ça avance, mais moins vite que prévu. Eh ben, ça sera peut-être une bonne conclusion pour notre discussion plus large. Ça avance, mais moins vite que prévu. On aura parlé de la réhabilitation qu'on a décrit comme étant indispensable, bien que pas toujours possible. Peut-être à développer, j'ai noté trois éléments. La question de l'enseignement dont nous parlait à l'instant Maud Cobé, plus largement la sensibilisation et la diffusion de cette culture architecturale. Également peut-être des évolutions techniques attendues aussi bien dans la culture des entreprises du BTP que des solutions plus précises, et on gardera en tête Patrick Rubin en attendant de le voir mis en œuvre prochainement, on l'espère. Il y aurait bien un deuxième essai de cette architecture hors site intégrée dans de l'existant. Voilà. Il y aura bien sûr un deuxième essai. Ben, on a hâte de voir ça en tout cas. Merci beaucoup Patrick Rubin, merci Caroline Poulain, merci Maud Cobé ainsi que Wilfried Jobert. Odile Bousquet m'a aidé à préparer ces discussions, alors je la remercie très fort, ainsi que les équipes de Luciole qui font la captation audio et vidéo de notre discussion. Ça veut dire que ça sera diffusé très prochainement sur la chaîne YouTube du ministère de la Culture. La prochaine table ronde ici sur le stand France Architecture aura lieu demain jeudi à 10h30. Il sera question de la qualité des logements et la discussion sera animée par Pauline Polgar concernant la réhabilitation. Eh ben, prochain rendez-vous, c'est très bientôt à 17h45, hein, je ne dis pas de bêtises, Corinne Langlois, donc, qui annoncera le lancement du palmarès Réhab 20 du ministère de la Culture, donc dans une petite heure, même pas. Merci beaucoup, merci à tous. Très bonne journée.